TPMP, bilan d'audience, Cyril Hanouna devant Quotidien malgré une nette baisse sur un an. Depuis le début de l'année, Touche pas à mon poste et Quotidien se livre à une bataille de couteaux serrés en access prime time. En baisse sensible par rapport à 2017, le talk show de Cyril Hanouna a vu son écart se resserrer avec celui de Yann Barthès. Les programmes phares de C8 et TMC ne sont plus distancés que de 0,1 point. Dans le détail, les 33 numéros inédits de TPMP, diffusés entre le lundi 8 janvier et le jeudi 22 février, ont rassemblé en moyenne 1,37 million de téléspectateurs, entre 20h10 et 21h10. La part de marché a atteint 5,5% auprès de l'ensemble du public âgé de 4 ans et plus. Sur TMC, Yann Barthès a pu compter sur la présence d'un 1,31 million de Français, soit 5,4% du public. Entre 19h50 et 21h10. Les vendredis 16 et 23 février, le show de Cyril Hanouna a été programmé en best-of devant 626 000, 2,8% du public, et 831 000 fans, 3,5% de PDA. Quotidien a alors dominé les audiences avec respectivement 1,06 million, 4,8% du public, et 1,26 million de fidèles, 5,4% de PDA. En 2017, Touche pas à mon poste était parvenu à réunir 1,53 million de téléspectateurs, soit 6% de l'ensemble du public, entre le lundi 9 janvier et le vendredi 17 février. TMC avait fédéré en moyenne 1,33 million de personnes, soit 5% du public, devant Quotidien. Sur la semaine du lundi 20 février au vendredi 24 février, C8 a misé sur Dite la Baba pendant les vacances de TPMP et TMC, a parié sur des best-of du talk show quotidien de Yann Barthès.